une discipline dans le jeûne. Tu ne peux pas manger de lundi à dimanche. Je répète, programme de l'église ou pas, tu ne peux pas manger de lundi à dimanche. Tu dois avoir un jour que tu consacres au jeûne. Même à la fin de ce jeûne, tu dois avoir un jour que tu donnes au jeûne. Nous venons de finir le jeûne de 40 jours. Moi, Dieu m'a dit, je vais faire un jeûne d'une année où je ne prends que des fruits et des légumes. Alléluia, gloire à Dieu. J'ai mangé la viande pendant 47 ans. Espèce l'autre. Tu dois avoir un jour. Et quand j'ai entendu un homme de Dieu comme Oyedepo dire qu'il jeûne tous les vendredis de sa vie, alors que c'est un milliardaire, il a une église de plus de 200 000 membres au retour n'est pas possible qu'à Sunin. Non, une discipline personnelle. Parce que celui qui peut dire non à un poulet peut dire non à une femme. Parce que si une cuisse de poulet mort te fait tomber, maintenant la cuisse vivante d'une femme t'y meurt. Et donne-moi la main, je vais te parler. Hein? Un poulet sans tête te fait tomber. Maintenant, une femme vivante, tu tomberas. C'est pourquoi les hommes qui pêchent et qui mangent dans le jeûne, souvent ont des problèmes sexuels. Parce que si tu ne peux pas te priver d'un cadavre, de poulet, maintenant une femme vivante, tu tomberas. C'est pourquoi tu tombes, parce que tu n'as pas de volonté. Dans la nourriture, il y a le plaisir. Le plaisir qui est dans la nourriture ne peut pas être comparé à la sexualité. La sexualité donne plus de plaisir que la nourriture. Mais si le bas plaisir te domine, le grand plaisir te dominera. Ainsi, quand Dieu t'invite au jeûne, il t'invite à la discipline sexuelle. Car le péché est venu par la bouche et puis il a touché le reste. Banamike baza koto, banamike baza ebela wa moyena lobasu sezate. C'est pourquoi quand tu finis un jeûne, à la fois, tu as une capacité de dire non. De dire non. Aujourd'hui, ma mère est venue visiter mes enfants. Elle a amené, elle a préparé des beignets, makemba, poulet, la viande. Mais moi, je dois continuer en légumes. Na tala viande, nabio zwangate. Tali poulet, nabio zwangate. Na tali makemba, sans effet. Pourquoi? J'ai déjà téléchargé la capacité de dire non. Mais ce qui me souvient, Bakatango carré kweisinga, sikoyo, mélange ya haïtienne, brésilienne, italienne et bimelio. Opengui. Yango boso pengwaka pengwaka. Ma soeur, tu ne sais pas te priver devant la crème. La crème, Dieu te dit, jeune, moi j'aime trop les chocolats, les chocolats. Quand un homme avec l'argent vient, tu vas tomber. Tu ne résistes pas devant les chocolats et devant 2000 dollars, toi tu vas tenir. Soyez des femmes de jeûne, soyez des hommes de jeûne. Ne passe pas une semaine sans jeûner. Ça crée quoi? La discipline. La discipline. Ton non, c'est non. Ton oui, c'est oui. Tous les hommes spirituels ont une discipline par rapport au manger et au boire. Tous les hommes spirituels. Tu ne peux pas être spirituel sans avoir une discipline de la bouche du manger. Jamais. Tous. Et quand vous voyez un homme comme Paul, l'enseignant de la grâce, mais qui a jeûné plus que tous les apôtres, il y a un grand équilibre parce que beaucoup au nom de la grâce disent qu'on ne peut pas jeûner. Hein? Paul, l'enseignant de la grâce, a jeûné plus que tout le monde. Quel est ton jour de jeûne? As-tu déjà fait un long jeûne personnel? Mes frères, jeûner ensemble c'est bien, mais jeûner seul c'est mieux. J'ai fait des jeûnes d'ensemble. Mais un jour Dieu m'a dit, viens, nous deux, pas d'église, nous deux, tu t'enfermes dans ta chambre pendant 40 jours. Frère, j'ai failli devenir fou. C'est-à-dire, j'avais maîtrisé tous les coins du plafond. Et tu as la clé de la chambre et Dieu te dit, tu ne quittes pas cette chambre, tu ne sors pas. Pas les jeunes où on sort, on reçoit des visiteurs, non, toi-même. Et quand il y a coupure d'électricité, tu es dans les noirs. Frère, je suis sorti de ce jeûne mort et ressuscité. Et mon ministère a changé, ma vie a changé. Quand je suis entré là-bas, Dieu m'a tué. Quand je suis sorti, c'était un autre. C'est quand mon ministère a pris l'ampleur sur le plan international. Dieu m'avait amené dans un 40 jours personnel.
Parce qu'aussi, voici le problème, c'est que certains, vous n'arrivez pas à faire des retraites parce que vous êtes très attachés aux hommes. Pour certains, votre douleur, ce n'est pas manger. Il y a des gens qui n'aiment pas manger, mais tu es trop social, tu aimes trop la présence des gens. Mais des fois, tu dois te discipliner, être seul avec Dieu pendant longtemps. Il n'y a pas ta femme, ton mari, tes enfants, comme l'a fait Jacob, afin qu'il devienne Israël. Frère, si tu es un vrai chrétien, c'est-à-dire que tu es comme Jésus, tu auras ton désert où tu seras seul face au diable. Si tu n'as pas encore fait ça, obéta en oba siki va na ba changi. Les chrétiens ba koma ba crucifié abeta ba changi. Moni quand Jésus est à la croix, bangi ba bete kota beta be pa. Banga bete be pa. Oh crucifié ndeni no beta ba changi ba kulusu ba changi ba changi. Il y a des chrétiens comme ça. Il est chrétien, il aime seulement qu'on chante, on danse. Ce n'est pas tout qu'il y a dans la vie chrétienne. Des fois Dieu te dit viens ici. Il t'amène quelque part. Tu ne vois personne. Tu bois un peu seulement. Tu manges un peu. Tu quittes là-bas. Tu as perdu 12 kilos, 13 kilos. Mais quand tu sors, tu as l'onction. Tu as une révélation personnelle de Dieu. Et rien ne te bouge plus. Rien ne te bouge plus. Pourquoi? Parce que tu as maintenant une relation personnelle avec Dieu. Haïti Nabal, c'est ce qu'il a vécu. Tous les grands hommes de Dieu te raconteront cette partie de leur vie. Frère, tu es trop avec nous. Tu dois des fois nous dire au revoir. Si tu n'as pas encore fait ça, va le faire. Maintenant, à Kinshasa, il y a des maisons de retraite partout. Tu vas, tu payes là-bas. 7 jours, tu prends un bidon d'eau. Tu entres là-bas. Sinon, pour moi, on a un bidon d'eau. À la montagne, maintenant, il y a trop de distractions. Bien. Tout le monde en a pris prêt. Et puis tu, quelqu'un vient te voir. Nzamba yeb sanga pendant qu'on s'assemble là. Azolak sanga, azolak sanga, azolak sanga. Vous savez que moi je n'ai jamais été à Mangengenge parce que je sais que si j'y vais, je ne vais pas prier. Baro senga ngambongo kuna. Bangonyo sbo pesa nga ba prophétie que bon mon nzamba otombolanga. Na ke na Mangengenge te, n'est déjà distraction mon néné. Je préfère quelqu'un qui va seul qu'aller sur une montagne, il y a 20 personnes. Parce que prier avec les autres, tu le sais déjà. Prier seul. Frère, quand j'ai fait 40 jours, ma requête est si là. Tu sais, il faut que tes requêtes prennent fin pour que commencent les requêtes. Tu vas en retraite pendant 40 jours de jeûne. Tu vas demander le Liban là pendant 40 jours. Tu vas demander 3 jours. Après, tu n'as plus rien à dire. C'est quand Dieu va te donner les requêtes. Seigneur, révèle-moi l'épître des Romains. Révèle-moi l'épître de Corinthiens. Dans la parole, il est écrit ceci. Donne-moi la lumière de ce verset. Comment je vais commencer à libérer ta puissance? Comment je vais faire pour grandir dans la puissance? Qu'est-ce que tu attends de moi cette année? Et au lieu de te révéler une année, te révèle 20 années de ta vie. Et il te dit, dans chaque période, il fera ceci. Vous savez ce que j'avais fait? Je me suis enfermé et j'ai écrit autour du mur des versets, des promesses de Dieu. Quand j'ai fini le jeûne, les gens sont entrés dans mon truc, ils ont dit, c'est quoi là? C'était plein de papiers. Frère, il y a quelque chose qui t'attend. Mais ton problème, c'est que tu aimes trop tes amis. Ton problème, c'est que tu ne sais pas rester seul. Et d'autres, vous avez un problème, la peur. Tu ne seras jamais un homme de discipline si tu as peur du noir. Parce que des fois, Dieu peut t'amener à prier dans une forêt seule, à prier dans une chambre. Et il y a coupure d'électricité, tu ne sors pas. Et alors c'est ça le problème. Comment tu peux dire que tu es chrétien, tu as peur du noir? Comment tu peux dire que tu es chrétien, tu as peur que le diable te frappe dans la présence de Dieu? Comment tu peux dire que tu es chrétien, mais tu as peur d'être seul? Ça prouve déjà que tu as un problème de croissance. Et tu dois affronter ce qui te fait peur en allant seul devant Dieu. Je vous dis, et je le conseille à tout chrétien, tu dois un jour dans ta vie te séparer de tout le monde, aller dans un long jeûne. Tout le monde. Et je te dis, quand tu sortiras, ce sera une autre personne, totalement transformée. Vous savez que certains téléchargements réclament qu'on puisse éteindre le téléphone et qu'on soit connecté au wifi. Pareil aussi, il y a des programmes spirituels que Dieu ne peut télécharger en toi que dans un long jeûne personnel, parce que ça demande le wifi et que tu puisses éteindre et que tu sois seul
Donc il y a des gens qui te parlent, ils perturbent la direction de Dieu. Est-ce que vous comprenez en quoi? Nazoyebiso makamba minene. Alléluia. Et vous savez, je savais depuis longtemps que je devais faire ce jeûne de 40 jours moi-même. Mais j'ai fouillé. Et puis un jour, Dieu m'a dit, Marcelo, t'es pas fatigué de ton ministère? J'ai dit oui. T'es pas fatigué du niveau de ton ministère? J'ai dit oui. Mais alors, comment tu vas continuer comme ça? Arrête. Oui, pourquoi tu continues ce que tu n'aimes plus? Nana sia baye vina. Parce que nous, bois quand on pas en zambé, t'es à beau mawot. C'est comme si tu as une voiture qui corocoche. Tu connais les voitures qui corocoche? Donc il fait sortir la fumée. Mais tu veux seulement, oh mais on a 80 jours. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois abandonner cette voiture, vendre la Caracas. Tu marches à pied pour acheter une autre voiture. Et ta vie chrétienne, c'est devenu un kimbambala spirituel. Tu pries 30 minutes, tu dors. Tu lis la Bible 2 minutes, tu dors. Tu tombes devant le péché. Tu n'entends pas Dieu. Pour entendre Dieu, il faut un prophète. Donc, qui corocoche spirituel? Papa, tiens, une vie chrétienne en a pémeni. Que nous l'oukamoussous. Pouezo simbate. Et puis Dieu m'a dit, Marcelo, est-ce que tu es satisfait de ça? J'ai dit non. Mais arrête! Arrête! Arrête de me servir. Arrête de me servir. Va me chercher. Arrête. Parce que si tu n'es pas épanoui en servant Dieu, tu as commencé à travailler dans la chair. Et j'ai laissé. Et pasteur, tu sais, des fois, nous avons peur de laisser l'église comme si c'est notre église, alors que c'est Jésus la tête de l'église. Et tu sais, quand j'ai laissé, ma femme blanche a dirigé l'église. Je suis venu brûler le feu, la puissance. Et ils ont organisé sans moi la croisade, la première, la plus grande que j'avais tenue. Sans moi, c'est l'église de Dieu. Oh, mes enfants vont mourir. Maman, tes enfants ne mourront pas. Papa, tes enfants ne mourront pas. Payez le prix. Allez chercher Dieu. Allez chercher Dieu. Si tu ne sais pas le chercher, tu ne le connaîtras pas. Et si tu ne le connais pas, il te parlera, tu ne sauras pas que c'est lui. Et le diable va te conduire à sa place. Gwynne Shaw, une grande servante de Dieu américaine, avait un ministère en Chine. Elle a servi Dieu en Chine des années sans résultat. Elle a prêché, elle a tout fait, rien. Et puis un jour, elle invite un pasteur anglais qui arrive prêcher en Chine. En une semaine, les Chinois baptisés du Saint-Esprit, convertis, délivrés. Elle a cherché ça pendant des années. Elle n'a jamais vu. Quand elle a vu ça, elle est allée voir cet homme de Dieu. Elle a dit, homme de Dieu, comment tu as pu avoir en une semaine ce que moi je n'ai pas fait pendant des dizaines d'années? Et puis l'homme de Dieu l'a regardé et lui a dit, je connais ton problème. Il dit, moi aussi j'étais comme toi. J'ai servi Dieu des années, mais je ne perçais pas. Jusqu'à ce que Dieu m'a fixé un rendez-vous. Il m'a dit que je devais faire un jeûne de 30 jours. Et un blanc, quand il fait un jeûne de 30 jours, c'est comme 300 jours du Congolais. Parce qu'il mange tout le temps. Et il a fait un jeûne de 30 jours. Quand il est sorti, il avait une onction, une dimension spirituelle. Son ministère a explosé. Et Gwynne Shaw aussi a fait un jeûne, je crois de 40 jours. Quand il finit le jeûne, Jésus lui apparaît. Lui révèle les détails de son ministère et lui promet de lui apparaître dans une année encore, en telle période précise. Et c'est cette femme-là qui a influencé Maman Olangi. Alléluia. Il y a un temps, tu dois offrir la graisse pour avoir la grâce. Il y a un temps, il faut bêter là pour qu'on m'akito qu'on akati. Dans le sport, quand on se muscle, vous savez le principe, c'est déchirer pour construire. Quand tu te muscles, tu n'as pas encore mal, ça n'a pas encore travaillé. Quand tu as mal, tu commences à déchirer les muscles. Et maintenant tu les reposes. Quand les muscles vont se reconstruire, ils gonflent. Donc il faut déchirer, tu gonfles. Tu déchires, tu gonfles. Pareil aussi, l'homme extérieur doit se détruire afin que l'homme intérieur se bâtisse. Donne-moi la main, je vais te parler. Toi qui t'aimes beaucoup, tout le temps les miroirs, tout le temps mes lois, bateau quand ça va s'angouillater. Toi qui t'aimes trop, Saoudi, beau, belle, maman, il y a un temps, on offre à Dieu la beauté. Mon frère, il y a un temps, on offre à Dieu la beauté.
les gens disent que tu n'es plus beau. Tu es maigre, mince. Et puis tu accumules la puissance. Et quand maintenant tu auras la beauté qui viendra, ce sera une beauté avec l'onction, une beauté avec la puissance. Mais toi tu es beau, mais tu es pauvre et sans onction. Mais beau, beau, beau. Rien dans les poches, beau. Tu ne peux même pas prier pour un malade, il est guéri. Beau, beau, beauté. Pantalo et Fanda. Et Fandi de moi qui en était. Lati makasi, hein? Oui, olati makasi. Nguye zate. Ma soeur, il y a des hommes qui ne cherchent pas de belles femmes. Oui, ça on ne vous dit pas. J'aimerais un peu vous dire un peu. Il y a des hommes qui cherchent des femmes intelligentes. Au Congo, on ne prêche pas ça. On doit vous dire la vérité. On vous a prêché les hommes qui aiment le corps. Certains hommes ne cherchent pas dans la femme le corps. Il y a des femmes, des hommes qui cherchent dans une femme l'intelligence, la causerie, le niveau intellectuel. Quand tu parles, c'est un livre qui sort. Il y a des hommes qui sont séduits par ça. Mais le problème à l'église, nous ne préparons les femmes qu'à être belles de corps pour les hommes qui aiment le corps. Mais certains hommes n'aiment pas ça. Ce qui fait que certaines sœurs, vous modifiez pour être des femmes corps, alors que vous êtes des femmes intelligentes. Et d'autres hommes, ce qu'ils aiment dans une femme, c'est l'esprit, la vie de prière, la sainteté, la pureté. Même si au tambo l'aura bien été, Sosanango, alléluia. Eh, baza, baza, baza. Moi, si on aide pas ça, canon. De continuer. Mais cette femme tient un ministère des milliards de dollars. Hein. Si elle était talent, 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 elle allait tenir ça. C'est ça aussi, toi aussi, mon frère, ton problème, c'est ça. Tu cherches une femme. Alors que toi, tu es un homme esprit, tu cherches une femme corps. Tu as besoin d'une top modèle ou tu as besoin d'une femme intelligente? Tu as besoin d'une top modèle ou tu as besoin d'une femme quand tu prêches, elle est en train de gêner? Tu veux quoi? C'est ça le problème que nous avons. Maintenant, quand Dieu attire une femme, il dit, viens, je vais te donner ton onction. On nous a tellement prêché la femme, le corps. Elle sait qu'elle va maigrir, perdre ses formes, elle refuse. Alors que c'est une future Catherine Kuhlman. Ma sœur, avec ton corps, tu peux attraper un mari. Mais avec ton esprit, tu peux attraper le monde entier. Avec ton corps, tu peux attraper un homme. Mais avec ton esprit, tu peux influencer la terre entière. Payez le prix, 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 payez le prix. Jusqu'à ce que Dieu te dise, hey, ça va, je t'ai exaucé, quitte ma présence, quitte, je t'ai exaucé. Quel est ton rendez-vous avec Dieu? Tu pries à quelle heure? Tu pries combien d'heures? Est-ce que tu as déjà fait une retraite personnelle? Et de combien de temps? Et qu'est-ce que tu es devenu après cela ?